je m'appelle Duncan Wiley, je suis artiste peintre. Je suis actuellement dans mon atelier londonien. L'atelier idéal pour moi, c'est, je peux dire, c'est presque ce que j'ai ici. Active, il faut 4 ou 5 mètres d'espace pour vraiment faire les œuvres. Après, c'est des questions de stockage et d'espace pour visionner et considérer les choses qu'on a fait. Certes, je peins beaucoup, mais souvent, je passe plus de temps à regarder que de travailler. Et c'est aussi pour cela qu'il faut que je voie mes tableaux de loin, parce que c'est une grande amas de couleurs. La difficulté dans mon travail, c'est que je veux qu'il soit aussi abstrait que possible, mais il faut qu'il appartienne à notre monde réel. Ma peinture dialogue quotidiennement avec la réalité. C'est une bataille interne, assez intense, entre l'image et la peinture. Et donc, c'est toujours qu'est-ce qui va gagner, l'image ou la peinture. L'image apparaît en même temps qu'il disparaît. On vit une époque un peu incertaine où les choses bougent tout le temps. J'essaie de trouver les équivalences dans le flux des images que je travaille. Entre l'utopie et la dystopie, on est à mon... Je crois que c'est ça l'utopie. L'atelier pour moi, c'est plutôt un lieu, je peux dire, euphorique. Je peux expérimenter mon pur plaisir de peindre, tout simplement. Car accoucher d'un très très bon tableau, il n'y a presque rien qui est plus satisfaisant au monde pour moi.